Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur Kylian Mbappé après le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain sait désormais à quoi s'attendre. En effet, aujourd'hui avait lieu à Monaco, le traditionnel tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Les champions de France affronteront donc le Borussia Dortmund, le Milan et Newcastle dans une poule qui promet d'être excitante. Après le tirage, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur le cas de Kylian Mbappé. On a plus de 24 heures. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24 heures pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas? Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation. Je ne veux pas parler de ça, a-t-il ainsi indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport. La fin, pour le moment, du dossier Kylian Mbappé, c'est le dossier qui a agité l'été dans la capitale. Après avoir refusé d'activer la fameuse option présente dans son contrat, pour prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe du Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon, ainsi que le premier match de la saison contre le FC Lorient. De quoi forcément s'interroger sur son avenir en France, ses dirigeants ouvrant largement la porte à un départ, si un club mettait l'argent nécessaire. Mais finalement, le numéro 7 a fait son retour dans le groupe en se montrant décisif, avec un but contre Toulouse, et un doublé lors d'une grande performance contre le RC Lens. Et désormais, la possibilité de le voir quitter le PSG, notamment pour le Real Madrid, à la veille de la clôture du marché des transferts est à oublier, comme le dévoile ce soir RMC Sport. L'objectif de la direction reste le même, prolonger sa star pour ne pas le voir partir gratuitement au mois de juin prochain. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel a indiqué ce soir, son président Nasser Al-Khelaifi après le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions. La radio précise que les négociations autour de sa prolongation n'ont pas encore débuté. C'est donc la fin du feuilleton été 2023, mais un autre ne devrait donc pas tarder à reprendre.